بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc aujourd'hui on va aborder Al-Fasl al-Khamis wal-Arba'oun, le chapitre 45 de cette œuvre monumentale que nous a laissé Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu ta'ala anhu. Ba'adu khalawati hazi tariqa, dans ce livre, dans ce chapitre, qu'il parle des khalawat. Dans le chapitre 44, il avait parlé des choses, des conditions qu'il faut réunir pour faire une khalwa. Dans le chapitre 45, il nous parle maintenant des khalwa. C'est quoi, quels sont les khalwa dans la tariqa? Comme vous le savez, la tariqa, quand on parle de khalwa, parfois on arrive à le comprendre difficilement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donnait la tariqa à Sénéchar radiallahu anhu, lui avait dit prends cette tariqa, min ghayri khalwatin wala atidalin anin nas, tu peux prendre la tariqa, tu n'auras pas besoin de te retirer, tu n'auras pas besoin de t'isoler, tu fais ton zikr, ton lazim, ta wazifa, ta hadra, ton jumaa, et tu évolues spirituellement. Donc, mashallah, quand on parle maintenant de khalwa dans la tariqa, surtout que du livre de Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu, quand il parle de khalwa, alors pour certains, ça ne va pas être facile à comprendre. Mais juste pour dire que, mashallah, chacun est à une station donnée, spirituellement parlant. Et les khalwa, ça permet d'évoluer, ça permet aussi, mashallah, de rentrer en contact, d'être en contact avec d'autres créatures, mashallah. Et ça élargit notre champ spirituel. Et ce qui ne veut pas dire que c'est obligé pour le disciple Tijani de faire les khalwa. On peut être disciple Tijani sans jamais faire de khalwa dans sa vie. Bon, mais comme Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu l'a introduit parmi les chapitres de cet ouvrage, mashallah, alors il faut qu'on l'explique, qu'on puisse comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans les khalwa. Dans le chapitre dernier, 44, on avait parlé des shurut, les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir, mashallah, honorer ces khalwa. Mais aujourd'hui, il cite cinq types de khalwa qui existent dans la tariqa, mais il a dit qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ce qui ne veut pas dire que toi qui nous écoutes, toi qui nous suis, que aussitôt après avoir suivi cet enregistrement, que tu dois te mettre à suivre une khalwa ou te dire que ah oui, il faut que j'en fasse une, etc. etc. J'avais expliqué ce qu'il fallait faire, comment il fallait qu'on soit pour pouvoir prétendre faire une khalwa. Et quand on prend la décision de faire une khalwa, il y a des conditions dont on avait parlé la semaine dernière. Alors, Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu, il a dit fi zikri ba'di khalwati hazihi tariqa, pour citer certaines khalwat dans cette tariqa, wa qulu wa billahi at-tawfiq, je dis
et en m'appuyant sur Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-hadi bimannihi ila sawa'i tariq, c'est Allah qui guide avec, masha'Allah, son aide vers le droit chemin. I'alam, anna lama zakarna laka, sache que, ya akhi, lorsque je t'avais parlé dans le chapitre passé, rahimahallahu ta'ala, wa iyyaka aslu al-khalawat, les origines des khalwa, wa shurutiha, et les conditions dans les khalwa, wa azkariha, et ce qu'il fallait réciter dans les khalwa, wa bayanna jami'a zalika, hatta zahara laka jami'a ma hunalik, et que je l'avais bien expliqué jusqu'à ce que ce soit clair pour toi ce qu'il y a dans la khalwa. Aradtu an azkura laka ba'da khalawat hadhihi at-tariqa, aujourd'hui j'ai l'intention de te citer certaines khalwa dans la tariqa, li'ilmi, parce que je sais annaka tatlubu anni dhalika, je sais que tu vas me poser cette question, tu vas me demander, j'ai parlé de khalwa, je sais que c'est Hajj Omar radhiyallahu anhu qui parle, je sais que dès lors que je t'avais parlé de khalwa, tu vas me dire, mais c'est quoi la khalwa? Comment on fait la khalwa? Etc, etc. Puisque je le sais, donc je te devance. Alors c'est pour ça que j'ai fait ce chapitre pour t'expliquer quels sont les khalwa dans la tariqa. Ataytu laka bihaza al-fasl, je t'ai amené, je t'ai proposé ce chapitre. Walakini uqaddimu laka kalaman la ghina laka anhu, je te propose un discours dans ce chapitre qui est succinct. Donc ça veut dire que tu pourras approfondir ce que tu entends ici ailleurs, mashallah. Wa huwa anna al-murid as-sadiq allazi yurid an yartad bil khalwati wa ghayriha, parce qu'il dit que pour le disciple qui est un disciple qui est véridique, c'est-à-dire qui est convaincu, qui est sincère et qui veut faire des riyadat, ce qu'on appelle riyadat dans la tariqa ou khalwa. Riyada et khalwa, c'est deux formes de retraite spirituelle dans la tariqa, elles sont différentes. Une riyada, tu n'es pas obligé de t'enfermer, c'est-à-dire tu prends un certain nombre de zikr que tu dois faire chaque jour, en étant avec tout le monde, en sortant, en mangeant avec tout le monde, etc., etc., en parlant avec tout le monde. Ça, c'est une riyada. Ça peut aller d'un jour, trois jours ou même plus. Mais une khalwa, ça veut dire que si tu es coupé du monde, alors, là, comme je l'avais décrit dans le chapitre passé, mashallah. Alors, il dit que ce disciple, alors qui est sincère, yahtaju kama qala al-qutb al-maktoum, a besoin de savoir certains points, comme il a dit Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjan radiyallahu ta'ala anhu, al-qutb al-maktoum wa al-barzakh al-maktoum radiyallahu ta'ala anhu wa radahu wa anabi. Il a umurin awwaluha, il a besoin de certains points. Le premier, ma'rifatu ta'lil al-mizaj, savoir ce qu'on appelle ta'lil al-mizaj, c'est-à-dire faire le diagnostic de celui qui doit faire, masha'Allah, la khalwa. On va expliquer tous ces points-là dans le détail. Ça veut dire que être quelqu'un qui est équilibré, quand tu fais une khalwa, il faut être équilibré dans le sommeil, dans ce que tu manges, etc., etc. Je vais y venir tout à l'heure. Suma ma'rifatu ghayat al-qasd, à savoir aussi, connaître aussi où est-ce que je veux aller, c'est quoi mashallah, l'étendue, l'amplitude de ce que, l'importance de ce que je veux obtenir. Thumma ma'rifatu kayfiyat as-sa'i ilayhi, puis aussi savoir, c'est Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjane qui parle, qui savoir comment y aller. Alors maintenant, j'ai bien précisé et déterminé là où je veux parvenir. Maintenant, il faut savoir aussi comment faire pour y aller. Alors, summa ma'rifatu al-hijab al-qati' anhu, savoir aussi les obstacles qui m'empêchent d'atteindre
mon objectif. Il faut connaître ces obstacles aussi. Il va les expliquer tout à l'heure. Souma ma'arifatu kayfiyatu zawalihi. Savoir aussi comment alors dissiper les problèmes qui sont sur mon chemin, comment enlever tout ce qui est obstacle sur ma route. Souma ma'arifatu usulil hijabi allati minha mawaduha. Alors, savoir aussi les sources, les origines, ce qui provoque, ce qui a créé ces obstacles. Ces obstacles, d'où est-ce qu'ils viennent? Summa, summa al-jaddu fi qata'i tilka al-usul. Alors, prendre la décision, être déterminé pour ces sources de problèmes, ces sources d'obstacles, que ces soupes, je fasse le nécessaire pour que ce soit tari. Souma ma'arifatu al-umuru allati biha zawalul hijab. Savoir aussi qu'est-ce qui me permet d'enlever les obstacles. Imma kuliyatan ou tafsiliyatan. Que ce soit dans le général ou dans le particulier. Souma salli saif al-azmi. Ensuite, il dit, tu peux dégainer le sabre de la détermination. Le sabre de la détermination avant de commencer la khalwa. Wa rukuba jawadil mujahid. Alors, aussi, là aussi, il parle de la détermination en faisant allusion au cavalier qui va entrer dans le combat. Dans les jihad. Amma ma'arifatu ta'lil al-mizaj. Alors, savoir diagnostiquer le problème, qui tu es, comment est-ce que tu dois te comporter. Fahuwa luzum tariq al-i'tidal. C'est-à-dire, là, il dit que tu dois être équilibré fil akli, dans ta nourriture, ce que tu manges, wa shurbi, dans ce que tu bois. Tu dois être équilibré. Min ghayr ifrat wala tafrit, sans excès d'un côté ni de l'autre aussi. On ne te dit pas de te priver de nourriture jusqu'à te faire mal, mais il ne faut pas trop manger jusqu'à ce que partout où tu te trouves tu as envie de dormir. Souman nazaru fil waqti wal balad. Regardez, considérez le temps aussi. Parce que tout ça, il faut les considérer. Le temps aussi, l'endroit où tu fais la khalwa aussi. Regardez la saison aussi. Regardez aussi s'il fait très chaud, s'il fait très froid, s'il fait très sec, s'il fait humide. Kazalika sin aussi, l'âge aussi. Parce qu'il y a des khalwa qui demandent un certain âge. Donc, on ne peut pas à n'importe quel âge se permettre de faire toutes les formes de khalwa dans la tariqa. Alors, wa amma ma'rifatu ghayatul qasd, comment savoir déterminer ton objectif? Fa huwa raf'u al-hijabi 'an ar-ruh ar-rabbani. C'est-à-dire enlever les obstacles par rapport à mon âme, l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mis sur moi, et de faire de sorte que je puisse la façonner ila halati safa, que ce soit pur. Qad aflaha man zakkaha, l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un travail nécessaire pour purifier mon âme. التي كان الى حاله الصفاء التي كان عليها قبل التركيب في الجسم. Avant que faire de sorte que ton âme devienne dans l'état dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'avait créé, avant de faire de créer la rencontre entre l'âme et le corps. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala il avait créé ton corps et avait mis l'âme dedans, cette âme-là
il faut faire un effort, puisque cette âme-là était pure. C'est par la suite que, avec nos comportements, nos péchés, tout ça, on a un peu terni la pureté de cette âme-là. Il dit que fais un effort de sorte que tu puisses retrouver la pureté d'origine. Donc, ce que je suis en train de dire là, ça peut paraître compliqué, impossible pour le grand public. Bon, on a pris, mashallah, l'engagement d'expliquer l'œuvre de Hajj Omar Abdallah Anhu. Ce chapitre fait partie de son œuvre, alors on l'explique. Alors, même si on sait que il y a certains chapitres qui concernent plus certaines personnes que d'autres. Mais n'aie pas peur, ne dis pas que oulala, la tariqa est devenue compliquée pour moi. La tariqa a été depuis le début et sera aussi simple jusqu'à la fin des temps. Alors, wa ma ma'rifatu kayfiyatu sa'i, kayfiyatu sa'i, il est dit, comment faire maintenant pour atteindre la pureté, cette pureté-là. Parce que là, ghayatul qasdi, l'objectif, on le sait maintenant, c'est-à-dire de faire de sorte que mon âme redevienne en termes de pureté dans l'état où Allah subhanahu wa ta'ala l'avait créé avant la rencontre de l'âme et du corps. Parce que le corps tout seul, ça n'a pas de valeur. Mais le corps n'a de valeur que lorsqu'il y a l'âme dedans. Et lorsque l'âme est dans le corps, on dit un tel, telle personne. Mais le jour où l'âme sort du corps, on ne parle plus d'un tel. On ne dit plus un telle personne, on va dire le corps, le défunt. Parce que maintenant c'est un corps, c'est un objet. Alors, la rencontre de l'âme et du corps, ce moment-là, ce temps T-là, en ce moment, l'âme était très pure. On te dit que maintenant, ton effort, ton objectif, alors doit être faire de sorte que tu retrouves la pureté de l'âme dans l'état où elle était lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait créé cette rencontre pendant ce temps T. Alors c'est ça l'objectif. Alors, ma'rifatu kayfiyati sa'i, comment faire maintenant pour atteindre, mashallah, cet objectif? Ah, il dit que innahu fahiya mutaba'atu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sa'iri qawlihi, dans ses paroles, wa fi'lihi, dans ses actes, wa halihi, dans ses comportements, wa khuluqihi, wa halihi, dans toutes les situations, wa khuluqihi, et dans son comportement, mashallah, en tant qu'être. Alors, بِإِقَامَةِ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Alors, faire de sorte que tu respectes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois seul ou que tu sois en public. مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى, avec sincérité et pureté. Alors, وَأَمَّا الْحِجَابُ الْقَاطِعُ عَنِ الْمَطْلُوبِ. Maintenant, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, il explique l'obstacle qui t'empêche d'atteindre cet objectif. C'est quoi? فَهُوَ غَرْقُ الرُّوحِ فِي بَحْرِ الْحُذُوذِ. C'est-à-dire le fait que ton âme soit noyée dans l'océan c'est-à-dire al-hudud, c'est-à-dire le fait de vouloir être considéré dans la vie, le fait de dire que c'est moi qui représente ceci, c'est moi qui connais ceci, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc, une forme de narcissisme en quelque sorte, le culte du moi, le culte de l'ego, un égoïsme qui en quelque sorte caractérise et démontre que notre âme est noyée, mashallah. Et comme on le sait, quand un être se noie, ça veut dire que, eh bien, il meurt. Donc,
fi bahri al-hudud wa shahawat, mais aussi il y en a qui dont leur âme sont noyés dans l'océan du vice et de la passion, c'est-à-dire tout ce que veut leur nafs, tout ce qui est plaisir pour eux, ils foncent, tout ce qui les intéresse, ils foncent dedans, mashallah, sans savoir qu'il y a des limites à ne pas franchir. Shahwat, c'est tout ce qui fait nourrir ta passion, fait nourrir ton nafs. Et c'est pour ça qu'on te dit que défie ton nafs et défie Shaitan aussi. C'est ça l'ensemble des obstacles. Alors, maintenant il te dit que wa amma ma'rifatu kayfiyati zawali hadha al-hijab, comment faire maintenant pour enlever ces obstacles? Fahiya as-sa'y fi qat'i al-hudud wa ash-shahawat wa tarki ta'zim an-nafs. Alors, c'est simple, il faut être humble dans la vie. Être simple et modeste dans la vie. Quand on veut à tout moment être au-dessus de tout le monde, montrer qu'on sait plus, on peut faire plus, on est ceci, on est cela, alors on est en train de noyer notre âme. Quand on veut à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dans l'ordre du passionnel, dans le cadre qui nous mène vers des vices, etc., etc., alors là aussi, on est en train de noyer notre âme. Quand on est dans un comportement de vouloir à tout moment être glorifié, être surestimé, etc., etc., alors là aussi, on est en train de noyer notre âme. Donc là, il nous dit que voilà les problèmes, les obstacles. Il faut savoir les déterminer pour pouvoir... parce que tant que le problème n'est pas déterminé, n'est pas ciblé, tant que le mal n'est pas diagnostiqué, alors ça va être difficile pour toi, pour le médecin, de pouvoir te guérir. Alors, c'est simple, quand tu es dans une assemblée, ne cherche pas à être au-dessus de tout le monde. Quand tu agis comme ça, alors tu vas voir que tu es en train de sortir ton âme de tirer ton âme de cette noyade. Regarde aussi, à chaque fois que ton nafs te tire vers quelque chose qui parfois est haram, que Allah il n'aime pas, mais ton nafs, mashallah, parce que le nafs, ça va toujours, s'oriente toujours vers le plaisir. Mais dès lors que tu commences à résister à ton nafs, sache que tu es en train de la sortir de cette noyade aussi, etc., etc. À chaque fois quand tu parles avec les gens, que tu fasses attention, tu ne te dis pas que tout le monde doit écouter ce que je dis, parce que j'ai dit la vérité. Tant que tu es dans cette situation, sache que tu es dominé par ton nafs, qui est lui-même, mashallah, dans une situation de noyade en quelque sorte. Mais si tu vois que petit à petit, même si tu es en groupe, parfois même tu sais que tu as raison, mais quelqu'un d'autre a dit autre chose, ah d'accord, et que peut-être plus tard cette autre personne reviendra, ah oui je croyais que j'avais raison, là tu vas te rendre compte que tu es en train de guérir, parce qu'on est nombreux à être malade sans le savoir, et cette maladie est due tout simplement au fait que notre âme est dans une situation de noyade. Donc Seyyidina Cheikh Radi Allah Anhu nous dit que alors tout ça c'est des obstacles, et il nous dit comment faire pour sortir de ces obstacles. Oui, je le dis parce qu'assez souvent dans les daïras il y a des problèmes qu'on peut éviter. Je le dis parce que dans les daïras il y a des problèmes qu'on peut éviter, mais Shaitan il passe par des petits problèmes comme ça et que finalement ça bloque tout. Dans les villes aussi, assez souvent, au lieu de se réunir pour faire quelque chose, et j'en profite pour encourager nos frères de Paris qui sont en train de tous se réunir, toutes les hadaras se réunissent pour maintenant
créé et une zawiya. Et c'est très important, mashallah. C'est une action que je félicite et que toutes les bonnes volontés aussi ne manqueraient pas à féliciter. Donc c'est toujours parce que il y a notre âme est noyée dans cet océan du moi, de notre moi, dans l'océan de notre moi, de notre ego, et qui fait qu'on n'arrive pas à sortir. Tant que l'autre, c'est l'autre qui prend la décision, c'est pas vrai. C'est l'autre qui parle en premier du projet, c'est pas vrai. Tant que le projet est entre les mains de l'autre, c'est pas un bon projet. Et ça, il faut qu'on arrête avec ça. C'est ça notre, mashallah, notre principal problème dans la tariqa. Alors, inshallah, qu'Allah nous guide nous tous, inshallah. Jai Sina Cheikh Ahmed Tidiane, radiallahu ta'ala. Bon, j'ai donné l'exemple de Paris, mais d'autres villes aussi devraient faire pareil pour pouvoir faire de sorte que dans chaque ville, on puisse avoir une zawiya, un endroit qui nous appartient. Pas seulement aller demander, aller dans les mosquées demander. Tantôt, ils vous acceptent, ils vous prêtent, tantôt, ils refusent. Et quand ils refusent, vous dites « Ah oui, l'autre, il est contre la tariqa ». Mais non, c'est pas qu'il est contre la tariqa, c'est parce que tu n'as pas fait l'effort qu'il faut en tant que disciple tijani. Alors, tous ceux qui ont des endroits, des locaux, etc., etc., eh bien, assez souvent, ils ne sont pas nés ici. Ils sont venus comme nous. Ils se sont organisés et nous, on ne sait pas nous organiser. On s'est tout simplement demandé « Est-ce que vous pouvez nous prêter ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ?» Et je crois qu'il est temps maintenant qu'on se réveille, Inch'Allah. Alors, « Wa ma ma'rifatu usul al-hijab » Sénéchal Radelhan, il dit que maintenant, pour connaître les sources des obstacles, il a parlé des obstacles, maintenant les sources des obstacles. Parmi les obstacles, pour purifier ton âme, kasratul akli, trop manger, être trop gourmand aussi, c'est pas bon pour ton âme. Washarbi, tu bois trop, c'est pas bon pour ton âme. Wamulaqat al-khalqi, tout le temps tu es dans les grandes places comme on dit, ça aussi, mashallah, c'est pas bon pour ton âme. Ça veut pas dire qu'il faut t'isoler, ça veut pas dire qu'il faut pas parler avec les gens, mais il faut savoir doser, il faut savoir doser nos attitudes, nos comportements, etc., etc. Ah, tu parles trop, c'est pas bon pour ton âme. Faut pas être trop loquace, trop bavard, c'est pas bon pour ton âme. Ah, tu dors trop, là aussi, c'est pas bon. Là aussi, c'est pas bon. Là, il pointe le doigt là, hein? Là vraiment. Alors, wadawam ghaflati, être trop négligent aussi en zikrillah ta'ala. Par rapport au zikr aussi, c'est pas bon pour ton âme. Alors il dit que wa masai wal jad fi qad'i tilka al usul. Maintenant il te dit que comment faire maintenant pour enlever ces obstacles, ces sources des obstacles. Parce que tout à l'heure j'avais parlé des obstacles et là il a parlé des sources des obstacles. Comment faire? Faut le jour. Là, avoir faim, le fait d'avoir faim, c'est dans en matière de spiritualité, c'est une force et une lumière aussi, une baraka. Bon, ça va être difficile à comprendre, avoir faim, c'est une baraka. Mais Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il restait 2 mois sans faire la cuisine chez lui. Et quand on demandait à Aïcha radhiyallahu anha, elle disait... Al-aswadain, on mangeait al-aswadain. On lui dit, c'est quoi al-aswadain? Il dit al-ma wa tam, l'eau et les dattes. Ah, pendant 2 mois, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas. Mais attention, attention, là c'est tout simplement pour se contrôler. Il ne faut pas dire aussi que la tariqa nous incite à la pauvreté. Et non, mashallah, juste parce qu'il y en a qui ne sont pas riches et pourtant ils n'arrivent pas à se remplir le ventre. Il y en a à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des moyens, mais alhamdoulilah, quand ils mangent de façon
équilibré, modéré, etc., etc. Tout ça, c'est très important. Alors, donc, al-jou' wal-atsh aussi, avoir soif aussi, c'est quelque chose qui est très important en termes de spiritualité. C'est pas pour rien qu'il y a le Ramadan. Masha'Allah. Et aujourd'hui, j'en ai parlé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui jeûne un jour fi sabilillahi, man sama yawman fi sabilillahi, ba'adallahu wajhahu anin nari, sab'ayna kharifan. Tu jeûnes un jour pour fi sabilillahi. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éloigne du feu de l'enfer pendant une durée de 70 ans. Donc, masha'Allah, ça veut dire quoi que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faim, la soif, etc., etc., ont des vertus spirituelles aussi. Et Inch'Allah, qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah. Alors, donc, voilà, c'est un peu le, tout le contraire de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà les sources des problèmes. Et donc, tout un chacun, qu'il fasse un effort pour pouvoir, l'objectif c'est de pouvoir purifier son âme. Bon, il a cité 5 types de khalwa, Cheikh Hajar radhiyallahu anhu. Alors je vais les dire, mais il a dit aussi que comment couper les hijabs, les voiles, comment les couper. Il a dit pour couper les voiles, on les coupe avec du zikr aussi. Avec du zikr, parce que c'est le zikr, avec le zikr. Ah. Wa mudawamatu zikri, parce qu'il a cité le fait de s'arrêter de trop manger, etc., la faim, la soif, ne pas trop dormir, etc., etc. Il a rajouté aussi, mudawamatu zikri, faire beaucoup de zikr aussi. Zikr, zikrullah ta'ala bil qalb, avec le cœur, wa lisan, avec la langue aussi. Daïman, bi'ayi zikrin kana, quelle que soit la forme de zikr. Thumma innal azkar allati biha zawal al hijab. Alors, il cite les azkar qu'on peut citer pour enlever complètement ces voiles. Minha kulliyat, il y a des azkar qui sont dans le cadre du général. وهي التي تقطع الحجاب عن الروح في أي أمر كان. Donc ces formes de zikr là, ça coupe tous les, ça enlève tous les voiles de l'âme, quelle que soit la situation. ومنها تفصيليات, il y a d'autres formes de zikr aussi qui sont plus spécifiques. لا تقطع إلا حجابا واحدا, et qui ne peuvent couper qu'enlever qu'un seul voile, qu'un seul obstacle, min naw'in wahid, alors d'une certaine forme. Wa mal kulliyat, les zikrs qui sont passe-partout, si on peut le dire de cette façon, qui peuvent enlever toute forme d'obstacle, c'est la ilaha illallah. Ou salatu ala nabi, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salatu al-fatihi, ou subhanallahi, ou alhamdulillahi, ou allahu akbar, tout ça, ça enlève tous les obstacles. Ou bismillahi rahmani rahim, ça aussi, ou allah, 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 ou allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Donc tout ça, c'est des zikr dans le cadre général qui enlèvent, c'est des zikr passe-partout qui enlèvent toutes les formes d'obstacles. Wa ma tafsiliyat fa hiya sa'irul asma'il husna. Donc les zikr qui sont azkar, qui sont précis, donc c'est les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a cité 5 types de khalwa, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu. Bon, il y a al-oula, une forme de khalwa.
C'est une khalwa qu'il faut avoir 40 ans minimum pour pouvoir le faire. On peut le faire avec les formes de kouliyat, de zikr de kouliyat que j'ai cité tout à l'heure, la ilaha illallah, salat ala nabi, etc. Il y a une autre forme de khalwa aussi qui se fait avec fatihatul kitab. Après chaque prière, il y a un nombre de fatiha qu'il faut faire avec un dua qu'il faut réciter pendant un certain nombre de jours. Et pendant cette khalwa aussi, alors on doit jeûner 40 jours. Et pendant cette khalwa aussi, pour certains ça va être dur, on ne doit pas manger tout ce qui provient d'un animal. On ne doit pas le manger aussi. Voilà. Il y a une autre forme de khalwa aussi, khalwa de fatiha aussi. Dans cette khalwa, il n'y a pas un nombre fixe de khalwa, fatiha qu'il faut réciter, mais tout le temps tu récites fatiha pendant le temps que dure la khalwa. Quatrième type de khalwa aussi, khalwa de bismillah ar-rahman ar-rahim, qui dure 19 jours, et chaque jour tu fais 19 000 bismillah ar-rahman ar-rahim. Alors, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, il dit que quelqu'un qui n'a pas travaillé bismillah ar-rahman ar-rahim ne peut pas espérer avoir quelque chose en matière de spiritualité. Bon. Ça, je le dis pour respecter ce qu'il a écrit dans ce chapitre, mais je sais que ce n'est pas adressé au grand public, ça je le sais. Mais comme on est en train de faire un travail sur les mah, alors, masha'Allah, on dit ce qu'il y a dans le livre, inshallah. Et il y a une khalwa aussi sur Salatul Fatihi qui dure 20 jours, chaque jour tu fais 2000 Salatul Fatihi. Tout ça, c'est le cinquième exemple qu'il a donné. Et tout ça, c'est pour dire que la tariqa, elle est très riche. La tariqa, elle est d'une richesse qu'on ne peut pas expliquer. Si tu te limites à faire ton lazim, ta wazifa, hadrat al-juma, tu fais partie des meilleurs. Avant même de commencer de faire ce zikr, dès lors que tu avais pris la tariqa, tu fais partie des meilleurs parce que, masha'Allah, tu as le niveau de 1000 awliya ou kamal. Fabayadatuhu tuba'u akhi bi alfin. Alors, le fait que tu fais le zikr, à chaque fois que tu fais ton lazim, tu évolues. À chaque fois que tu fais ta wazifa, tu évolues. À chaque fois que tu participes à une séance de hadrat juma, tu évolues. Et à chaque fois que tu fais ton zikr, il y a 70 000 anges qui font le zikr en même temps que toi. Ça fait partie des garanties de la tariqa. Et toute cette récompense-là, tu la reçois. Et donc, parfois, tu peux te dire que je n'ai pas besoin de faire une khalwa. Mais, masha'Allah, la tariqa, c'est un océan sans fin. C'est Nishar radiallahu anhu, il avait dit, dans ce dua, il avait fait, alors qu'on construisait la zawiya de Fez, il avait dit, Allahumma ashabi min qafin ila qaf. Ça veut dire de l'infini vers l'infini. Et qaf c'est quoi? Il n'y a personne qui sait c'est quoi qaf. Les ulama ils ont écrit sur qaf. Mais il n'y a personne qui peut dire que c'est ça qaf. Certains disent que qaf c'est une montagne qui fait le tour de l'univers. Au-delà de cette montagne, mashallah, il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a. Mais en tout cas, physiquement, il n'y a personne qui peut te l'expliquer. Et c'est pour ça que Sénéjah Radiallahu anhu, il avait dit Allahumma ashabi min qafin ila qaf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la tariqa, tu évolues. Et quand on parle d'évolution, là, il s'agit de science. Et comme vous le savez, la science ou les sciences matérielles, les sciences que nous connaissons ici dans notre vie, dans la vie terrestre, déjà sont d'une immensité, sont d'une profondeur inépuisable. On ne peut pas épuiser la science telle que nous la connaissons ici.
que ce soit les sciences exactes, les sciences humaines, les sciences physiques, les sciences et les autres. À chaque fois, il y a de nouvelles découvertes. Alors maintenant, on te parle de sciences spirituelles. La science spirituelle, ça commence à partir de... Parce que tout ce qui est entre la terre et le premier ciel, c'est Alamul Mulk. Alamul Mulk, c'est toutes les formes de sciences. Que ce soit les sciences du Coran, les sciences qu'on apprend dans les universités, dans les écoles, dans les, toutes formes de connaissances, tout est dans Alamul Mulk. C'est à partir du premier ciel vers le septième ciel, c'est Alamul Malakout. Alors, c'est à partir de ce moment que commencent les sciences spirituelles. Ensuite, il y a Alamul Jabarut. Ensuite, il y a Alamul Lahout. Ensuite, il y a Alamul Hahout. Et toutes ces formes d'univers ont un lien avec Salatul Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Alamul Mulk. الفاتح لما أغلق علم الملكوت والخاتم لما سبق عدم الجبروت ناصر الحق بالحق علم اللاهوت والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم علم الهاهوت. Et donc pour vous dire que même au niveau de la salat al-fatih, les sciences qu'il y a dans la salat al-fatih jusqu'à la fin des temps, il n'y a personne qui pourra les épuiser, inshallah. Donc à nos chapelets, comme on le dit, à nos chapelets pour découvrir et découvrir encore, mashallah, ces dimensions de connaissances qu'il y a dans la tariqa et qu'on n'arrivera jamais à épuiser, qu'Allah nous en donne, inshallah. Et jazallahu anna shaykhana Hajj Omar radiallahu ta'ala anhu, جميع خلفاء سيدنا الشيخ احمد التيجان شرف رضي الله تعالى عنه ورضاه عنه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره عظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.